Well, I was in Misrata the other day to pay a visit of solidarity also to Misrata, because it is, of course, important, and I've said it, that this requires a military solution. However, one point must be very clear. The fight against the Daesh must be first a Libyan fight, and it must be a united fight. I think nobody acting alone would succeed. That's why it's very important, and my constant message to all security actors, be them in the West or in the East, to unite their forces. Mm-hmm. There must be a joint command structure. There must be an army, a joint army, under the supreme commandership of the Presidency Council. This is clearly written in the Herat Agreement. A general commander of the army and a sound, effective structure for the fight against the Daesh. Libyans should not fight amongst each other. They should fight united against the terrorism in this country. Dans la lutte contre Daesh en Libye. Et Daesh en Libye, vous avez tenu des propos assez alarmants dans le journal du dimanche. Les pays voisins sont terrifiés. Ils sont terrifiés des effets du Daesh. Mais c'est aussi un problème international, aussi pour l'Europe, comme j'ai dit. C'est très important d'enforcer l'embargo sur les armes, mais aussi de faire les exemptions pour l'embargo pour ceux qui luttent, qui combattent le Daesh dans une structure uniforme sanctionnée par le Conseil présidentiel. Très important, encore une fois, pour procéder sur la voie de garantir la sécurité dans le pays, d'avoir une structure unifiée, une armée d'unité libyenne en Libye pour combattre le terrorisme. Bien entendu, il faut mettre en place, et c'est l'affaire du gouvernement de M. Sarraj, un commandement opérationnel qui devrait associer l'ensemble des forces, certaines milices et le général Haftar. C'est tout le travail qui reste à faire. C'est la responsabilité du gouvernement Sarraj d'y contribuer. Mais comme vous le disiez, M. Kobler, il y a quelques instants, l'ennemi numéro un des Libyens, mais comme de nous-mêmes, c'est le terrorisme de Daesh. Et donc il faut que toutes les forces libyennes concourent en s'organisant suffisamment efficacement à la lutte contre cet ennemi numéro un.